Oh, Fabien, il est. Ah, hein. C'est l'endroit qui te motive là. Voilà, donc 10 mars 2024 au Fort Bruck à Klingenthal avec le Cyclo Club Basslen. Donc on est 1, 2, 4, 6. Ah, 6, c'est pas mal. Les électros sont déjà partis. Voilà. Et donc on va démarrer aussi notre rando. Direction Saint-Odile. Direction Saint-Odile. Ouais, c'est bon. Et puis normalement apéro à l'arrivée pour la nif de Manu. Ouais, bah, on y va. Ah, pour revenir, tu viens à gauche là. Ouais. Ça change d'hier, hein. Hier j'ai roulé avec le VAE. Ah, ça fait pas bizarre, ça, mais... Non, ouais. Ouais, c'était sympa. Ah. Yannick était avec nous, Yannick Mehn. Ouais, il a bien roulé. C'est aujourd'hui. Hmm, c'est aujourd'hui. Ah, ouais, c'est aujourd'hui, ouais. Vous n'avez pas rapproché du tout la machine. Nous on avait une vingtaine de kilomètres qu'on a fait en tout, enfin on n'a pas tracé sur les 20, mais en tout on a fait à peu près 20 bornes. On avait une quinzaine de kilomètres à tracer. Donc on est parti de la place des Dragons à Saverne du Cosec, monté jusqu'à la grotte Saint-Vie, puis après le Grafenfels, et puis à partir du Grafenfels on a tracé jusqu'à l'étang du Ramstal. Il y avait une boucle qui montait, qui redescendait, et puis on est rentré quoi. Je crois 50 km, ouais. Et c'est pour ça que les collègues du Saverne ont demandé un coup de main, parce que c'est plus long que l'an dernier. Ils n'avaient pas de 50 bornes l'an dernier sur le trail du Haut-Bas. Ils ont rajouté ça, et donc forcément, bah, un peu plus de distance à tracer, quoi. Non, non, Daniel, non. Non, non. Il y avait Daniel Metzger. Daniel, il y avait l'autre Daniel. Avec Manu. On a réparé la tour. Enfin, on a fait la tour. Là, il y a déjà un grand.